Voici exactement ce que Nostradamus dit dans le quatrain numéro 11 de la cinquième centurie. Sur les sols seront des soleils, l'air sera pollué, ce sera irrespirable, ce sera angoissant. En ces heures de l'époque cesseront les emplois des hommes, leurs usages et toutes leurs applications. Les hommes seront au seuil de l'angoisse, une partie des races sera rasée. Les armes parlent de puissantes techniques, des procédés ignobles. Leurs activités armées en mer limitera les heures et la durée de la vie. Ensuite, la se passera. Des eaux et des vents, la nudité viendra sur les êtres. L'Afrique sera victime des placements bancaires. L'argent rendra violent, ce sera les risques. L'argent sale n'est que violence. L'effet du fric sale marchera à votre époque. Voici la suite de ce que Nostradamus nous dit à la première page. Seront des escadrons, des troupes qui feront renaître le néant. La neige tombera abondamment, la neige tombera abondamment à Angers. Dieu est dans ses notes contenant la géhenne et la haine des heures de ce terrible été. Voici une partie des plans que nous avons réalisés. Les plans géodésiques sortiront un peu plus tard. Vous pourrez les demander à la BID, son adresse est inscrite sous la vidéo dans la boîte de description. De nombreux pays d'Europe préparent psychologiquement leur population à la guerre. L'OTAN se prépare militairement. L'Allemagne, quant à elle, dit ouvertement qu'entre 5 et 8 ans, il y a une guerre contre la Russie. Tous ces préparatifs auront lieu. Ces fameux bruits de bottes que Nostradamus indiquait dans un de ses quatrains. Je pense personnellement que les choses se produiront avant, puisque Nostradamus annonçait été 2028 et le néant 2029. Mais peut-être pourrions-nous encore éviter le pire, bien que pour garder la suprématie du dollar et empêcher l'installation des Brinks dans le monde entier, la guerre sera nécessaire, malheureusement pas uniquement contre la Russie. La Corée du Nord et l'Iran seront de la partie. Dans le même temps, la Chine risque de souffrir énormément car elle détient un monopole industriel hors du commun. Elle est l'inventeur des Brinks avec la Russie. Le pays de l'oncle Sam n'a plus rien à perdre. Elle va créer certainement un conflit dans le monde entier. Il vous faut absolument faire des réserves de nourriture. C'est important. Car l'électricité augmente à partir du mois de février de 10%. Le bouclier tarifaire s'effondre. Avec cette hausse d'électricité, tout, absolument tout, va augmenter. La nourriture, les assurances, les taxes, les loyers. Notre pays de France ne protège malheureusement plus son peuple. Il vous faut absolument faire des réserves et préparer un abri en hauteur, au minimum à 300 mètres. Il vous faut trouver le temps et l'argent pour vous mettre à l'abri. Dépêchez-vous, le temps se raccourcit. Vous pouvez également nous rejoindre, car nous nous groupons tous pour mettre de l'argent en commun pour construire les petits abris. Sous la vidéo, vous avez l'adresse mail pour nous contacter. Voici le quatrain numéro 11, tel qu'il se présente. Mère par solaire, sœur ne passera. Ceux de Vénus tiendront toute l'Afrique. Leur règne plus Saturne n'occupera et changera la part asiatique. Voici maintenant la première ligne du quatrain numéro 11 de la cinquième centurie. Mère par solaire, sœur ne passera. Voici la révélation. De la mer, j'ai mis les heures et l'époque. Le pouvoir par cet art sera l'air des mots résolus. Ce sera le sceau de ses notes clés. Sur les sols seront des soleils. Ensuite, les eaux qui iront sur les marmites, les chaudières, les industries, les centrales nucléaires. L'air sera pollué. Ce sera irrespirable. Ce sera angoissant. L'air des mots, par leurs usages, produira cet essai. Vous connaîtrez ces heures vraies, où les haines renaîtront. L'épée de ce pouvoir a été passée. Vous connaîtrez mes heures d'hier, où j'ai vu l'époque des rames en mer. Maintenant, voici la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Vous saurez la durée de la vie limitée en ces heures de l'époque de la herse. Ce sera le pouvoir passé au premier sur cette connaissance. Les scènes de haine naîtront. En ces heures de l'époque, cesseront les emplois des hommes, leurs usages et toutes leurs applications. Les hommes seront au seuil de l'angoisse, une partie des races seront rasées. Sur les sols seront les eaux qui iront sur les marmites, les chaudières, les industries, les centrales nucléaires. Les armes par de puissantes techniques, des procédés ignobles.
leurs activités armées en mer limitera les heures de la durée de la vie. Ensuite, la herse passera. Voici maintenant la deuxième ligne du quatrain numéro 11 de la cinquième centurie. Ceux de Vénus tiendront toute l'Afrique. Voici la révélation. Les hommes connaîtront cette coutume d'expression cédée de Dieu. Des eaux et des vents viendront la nudité sur les êtres. Tu tiens sous les yeux la haine des Andes, la fin des heures. Du rond nord, vous devriez en avoir honte, tout cela en août. En ayant ces notes telles, hélas, l'Afrique sera victime des placements bancaires. L'argent rendra violent, ce sera les risques. Le cryptage sera la volonté de voir la menace et faire savoir aux hommes la coutume d'expression cédée de Dieu. Maintenant, voici la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. En ayant la volonté de voir la menace, tu feras de l'argent. L'argent sale n'est que violence. Les notes produiront la lettre qui marchera en été. De tes études, tu eus les notes clés. Tô sera la tonalité dans laquelle seront les eaux. Une onde sera en ces heures de l'époque. Tu tiens sous les yeux des gens la nudité future. Par ces usages d'expression sera la volonté de montrer la menace avec l'aide de Dieu le divin. Les hommes cesseront leurs habitudes et leurs emplois. Il faut savoir avoir la volonté de voir la menace. L'effet du fric sale marchera à votre époque. Voici maintenant la troisième ligne du quatrain numéro 11 de la cinquième centurie. Leur règne plus Saturne n'occupera. Voici la révélation. L'heure des hommes sera rasée, effacée, brûlée. Ce sera le règne de la géhenne qui naîtra. Le pouvoir sera par plus de lecture de cette coutume d'expression. Cette lecture sera ça, et l'avoir hâtivement. Rapidement seront des escadrons, des troupes qui feront renaître le néant. Ensuite sera la haine, des eaux haussées. Vous connaîtrez ce pouvoir de peur. Marchera ici l'heure des hommes pendant le règne de la géhenne. Maintenant voici la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. J'ai repéré plusieurs fois l'heure sur ce pouvoir de peur. J'ai perçu ce savoir saint. Tu as le premier mes notes nocturnes. Il faut hausser cette connaissance. Ce sera la renaissance de l'ère des mots. Ce sera ça. Le salut viendra de cette sale lecture. La coutume d'expression sera un pouvoir de peine. La neige tombera abondamment. J'ai mis les heures de l'accusation dans l'ère des mots. L'époque sera réelle. Ce sera le relais de ces heures repérées, en espérant que le pouvoir de ces heures soit perçu. Voici maintenant la quatrième ligne du quatrain numéro 11 de la cinquième centurie. Et changera la part asiatique. Voici la révélation. En été, tes thèses feront connaître l'heure. Ce sera une année d'anges. La neige tombera abondamment à Angers. J'ai géré les heures de râle. Dieu est dans ses notes par le pouvoir de cet art. Tu as l'assise maintenant et d'avoir rapidement. Tu doutes de ce cryptage d'être la volonté de voir la menace. La durée d'avis sera limitée en été. Tes thèses feront connaître l'heure des années de neige. Dieu est dans ses notes. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Tu as revêtu en été l'éthique de ce cryptage et quasiment avoir l'assise. L'avoir ici même, tu as tardivement cet art. Harpe et repéré, ce sera un pouvoir de peur et des heures de râle. Dieu est dans ses notes contenant la gêne et la haine des heures de ce terrible été. De tes thèses, de la connaissance, tu as revêtu l'éthique, mais tu doutes de ce cryptage. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à la lecture de ce quatrain. Je vous dis à bientôt.